Nous t'ai toujours dit, conseil présidentiel ça, li pas ka délivré parce que gon ensemble de personnages qui en dedans pas gain cohésion. C'est hypocrisie. Et que yo chita force sou l'international qui impose nous yon bagay que peuple haïtien pas ka digérer et pas vle digérer. Nous gon conseil qui chita sous gros bonnette parce que international l'a imposé. Nous gon conseil qui pas croit dans consensus. Nous gon conseil qui pas croit que c'est on mette ensemble qui pour sortir pays à côté là et gon conseil qui a fait piquer coller dans intérêt de groupe yo. Faut clair que pour tout monde que conseil ça li gon crise interne en dans conseil ça. Et le fait que gon crise interne en dans conseil ça nous pas attendre que li pa résoudre crise qui gagne dans pays ya. Nous pas cap croire que conseil ça pral mettre tout haïtien ensemble pour que nous faire ça que le yon gouvernement union nationale. Pour nous même nous dit nous rejeter et nous continuer rejeter de revers de main conseil ça. C'est ça fait nous venir continuer pour nous plaider pour yon entente politique pour nous fondre deux tendances ensemble à savoir cassation ak fanatique équipe Guy Philippe là. Pour vous comprendre, vous avez même l'ennemi. Je dis à l'éclair. Pour nous combattre international là. Pour nous permettre que, messieurs d'abord de conseil, ça a autant de raisons. Force nous de chita sous l'union. C'est sous une parfaite unité que nous sommes capables de arriver à faire ça. Ensemble, engager une série de consultations. Bon côté tout camarade qui a demandé la Cour cassation yo à équipe Guy Philippe là pour nous encourager au marché contré pour nous dialoguer pour nous river joindre une entente politique pour nous libérer pays là ensemble adresser directement à Guy Philippe même Jean nous adresser nous à tout l'autre camarade politique qui a soutenu cassation pour nous dire si nous pas renforcer nous si nous pas amasser force nous pour nous faire un dépassement de soi, pour nous jouer une entente politique, pour rider nous, mener bataille ça, eh bien c'est la vie, merci à terre. C'est une entente politique, à travers un geste patriotique, qui s'est d'accord chita, pour nous dialoguer, pour nous sortir avec une solution, pour nous résoudre la crise qui a fini avec le pays. Nous quoi, appel ça nous lance aujourd'hui, à convaincre Guy Philippe. Nous quoi, appel ça nous lancer aujourd'hui à convaincre tout camarade qui dans cour cassation yo pour yo connait nous gagner même l'ennemi pour nous combattre ensemble dans sérénité pour nous refaire dignité pays là demain ça a deux étapes concertation qui c'est dégager un consensus pour une entente pour nous mener pour nous voir qui gens pour nous construire une véritable opposition qui mener une véritable transition tout bon. Non sans ça, ensemble prêts pour participer dans toute entente politique qui couvrir revendication ça yo. Yon plan sécurité nationale dans dimension phénomène insécurité ça. Augmentation salaire, 4 débit prime des risques pour policiers yo et équipement pour le travail. Augmentation salaire moun ki dans factory yo ak bouge avantage social pour yo ka vivre normalement avec famille. Pour des gros support par personnel la santé, docteur, infirmier, descendre dans plus petit monde qui fournit service. Valoriser professeur l'école. Yo. Professeur l'école, yo, c'est clé société. Pas oublier les gens qui ont touché un petit paille moune quand ils ne peuvent même pas vivre avec famille. Nous dit réactiver, réorganiser CNDDR pour nous retirer les âmes. Politiciens traditionnels et bourgeois malhonnêtes qui dans tout secteur, et spécialement secteur privé, qui t'a fourni dans le quartier populaire, zam dans place l'école, dans place centre professionnel. Rendre la main opérationnelle. Il faut qu'il y ait une enquête qui mène sous un scandale, l'argent, dollar 50 qui dans FNE. Bas économie en bourrade, assister à entreprises à grandes entreprises qui sont frappées dans le dernier événement. Ça. Lancer le dialogue national, mettre la constitution en débat. Disposition pour organiser l'élection libre et démocratique dans le pays.